quoi, c'est ça le yacht? Sexy motherfucker! C'est ça le yacht? Le yacht? Ouais, voilà mon yacht. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait du vrai yacht? Ouais, c'est ça le vrai yacht, mais... Rien, j'ai juste attaqué. Regarde, là j'ai engagé. Là, regarde, là j'ai engagé un garde du corps. Sexy motherfucker! J'ai l'impression de le connaître. Wesh! Salut Carburo! Bon, du coup, c'est bon, il y a des gens au moins. Ah ouais, il y a un mec, il est en bleu, je le connais pas. Allez! Carburo! Carburo, c'est moi, exécuteur, tu me reconnais? Ouais. T'as fait un bail quand je t'ai plus vu. T'étais où pendant tout ce temps? Ouais. J'étais en train de faire des trucs. Ouais, bah tu sais, si tu veux te reposer, il y a pas de soucis, il y a une chambre pour toi dans le repère. Et elle, c'est qui? C'est qui elle? C'est une amie à toi ou quoi? Non, on connaît pas. Okay. Ouais, elle est peut-être fan de Deadpool, hein? Ok. Mmh. Oui. Ah, wow, franchement, oui. C'est cool, en fait. Tu peux regarder la carte virtuelle de l'île? Quoi? Deadpool, excuse-moi bien, tu viens de dessiner toi avec un bateau au lieu du yacht. C'est à moi que tu viens de dessiner là dans la carte. Ah, fais comme si ça serait bien. Quoi? Fais comme si tu voudras. Deadpool. Bah, je viens de faire un jeu. Oui, vas-y, Johan. Quoi? Attends, tu parles là. Tu peux nous faire visiter le yacht? Genre, tu peux nous faire parler? Est-ce que tu peux nous la faire visiter, genre le yacht maintenant? Mais arrête de faire. Je cherche. Attendez. Deadpool, ça te dit que tu me fais visiter ton yacht maintenant? Genre là, tes chambres, etc. S'il te plaît. Okay. Wow, des canons. Viens, Carburo. Viens, Carburo. Il a un seul gaming. Ouais, mais t'as eu. Mais... Ah, ok. Moi, j'ai cru que ça. Ouais. C'est un youtubeur, frère. Mais pourquoi c'est un youtubeur des poules? Ouais, des trucs, c'est un youtubeur. Attendez. C'est normal qu'il y ait des caisses de munitions dans son... Eh, regarde, il y a sa chaîne YouTube. Il y a sa chaîne YouTube. Et personne rentre, c'est privé. Et vous là, le garde, partez. Vous là, le garde, je vous ai pas dit de venir, partez. Est-ce que nous... Venez, viens, on va faire une vidéo. Mais ouais. Viens, on va faire une vidéo, j'ai dit. J'ai compris, je vais juste fermer. Eh les gardes, les... Non, garde, partez, vous avez pas le droit de venir. Garde, surveille cet endroit, s'il te plaît, personne n'a le droit de venir, sauf exécuteur. Attends, du coup, vas-y. Du coup... Ok. Même monsieur Carburo a pas le droit de venir, alors... Voilà, mets-toi à côté. Sexy, okay. Motherfucker. Ça me bloque, ce chou. Si, les gars, c'est des poules, j'espère que vous allez bien. Les gars, je suis en compagnie d'un héros, enfin... Putain, trou du cul, son ex... Exécuteur... Quoi? Non, j'ai rien dit. J'ai pas, du coup, j'ai pas de copine. Hein. Du coup, il y a mon arrivée dans Fortnite, du coup, voilà. Et voilà, du coup, regardez. Quoi? Ton pseudo s'appelle Deadpool. Le héros magnifique, c'est bien Deadpool, c'est ça ton pseudo? Attendez, mais tu vois, je vais faire une petite coupure. C'est bon, j'ai fait une coupure. Regarde, là, tu vois mon fond vert? Je vais faire genre comme si ça serait une plage, en fait, tu vois. Du coup, attends, je vais filmer dans 3, 2, 1, go. Les gars, regardez, je suis dans la plage. Viens, on va aller à la plage, exécuteur. Ok. Danse, on est à la plage. Sinon, pourquoi ton pseudo s'appelle le super cool, c'est Deadpool? Il s'appelle... Tu t'appelles comme ça dans Fortnite? Je sais pas. Bah, je sais pas, c'est écrit comme ça ton pseudo. Sinon, tu vas faire comme le yacht. Est-ce que tu vas avancer petit à petit le yacht dans l'île? Ouais. Les gars, abonnez-vous à ma chaîne en détour, s'il vous plaît. Ouh. Et par contre, Francis, si je te trouve, je te casse la gueule! T'es au courant que tu viens de casser ton setup, non? C'est pas grave, j'en payerai un autre. Ah bah ok. Bah on va continuer la fête. Coucou! On va continuer la fête! Ah bonjour, monsieur. Je vous ai caché quelque chose. Je suis un DJ. Bon, j'étais à mon enfance, je faisais genre mon DJ. Fais une musique Deadpool! Ok. Vas-y, j'attends que tu la mettes, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bon, c'est que dur. Wow. Guess what? I brought Colossus! Time's up, better count your losses! Kick him out of my face!
Ah, j'entends du Deadpool. Mince, non, attends. Je vais juste un peu me reposer. Deadpool. Trop cool. Et carburo. Venez, venez, hey, venez, venez, je vais faire du piano. Attendez, okay, je vais couper attends, la... on arrive vite fait. Wow. Deadpool. Je vais dire, venez tous je vais dire... Attends, on arrive, Venez tous. On arrive. Carburo, écoute, bon, je sais que ton équipe n'existe plus. Oui, c'est l'exemple du flic. Est-ce que t'as réussi à retrouver genre ton ancienne équipe ou pas, ou t'as pas encore réussi? Monsieur le garde, venez tout de suite. J'ai pas encore réussi, mais je compte bien y réussir. Ouais, juste pour te dire, Omega, il a repris son repère, son ancien repère. Viens, on va jouer. Le repère qui est dans ma ville. Viens, on va jouer, Iris. Genre le repère d'Omega qui était dans ma ville, il est détruit. Du coup, voilà. Ah. Bon, enfin, bref. Bah, je parle pas de mon repère, je parle monsieur de garde, d'Omega, venez tout de suite. De Omega. On a un problème. Omega, il est détruit. Et bon, monsieur maintenant, le garde, suivez-moi. Son repère, tu sais, avec la montagne, etc. Enfin, bref. Du coup, écoute, suivez-moi tout de suite, monsieur le garde. Que tu restes dans mon repère en attendant. Genre, tu sais qu'il y a bien une chambre pour toi et que t'es dans l'équipe maintenant. Et juste pour te dire, monsieur, j'aurais besoin de savoir c'est qui cette personne. C'est qui là, cette personne là en bleu? C'est Carburo, c'est moi, c'est un héros. C'est qui Carburo? C'est un super héros aussi, c'est un héros. Enfin, mais les gars, attendez, Carburo il est connu lui dans l'île. Et toi, tu lui dis que tu le connais pas. Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais. Ouais, bon, bref, oh, il connaît Carburo. Sexy motherfucker. Wow. Voilà, c'est fait. Mais ok, t'es viré de ma fête, monsieur le garde, virez cette personne de ma fête. Mais non, je plaisante. Attendez. C'est bon, c'est bon. Attends, c'est bon, elle plaisante. Toi, Carducan, donne le truc que t'avais jeté vite fait. Le truc que t'avais lancé. En fait, c'était monsieur, en fait, monsieur le garde du corps, jetez ce que vous avez jeté, s'il vous plaît. En fait, c'est là. Hein, je suppose qu'il a plu. Putain, bon. Mais à cause de toi. Bon bah venez, on va encore faire la fête. Bon bah attendez, j'entends quelqu'un. Attendez, j'ai entendu quelqu'un qui allait dans les conduits d'aération. Non mais je nettoyais juste voir s'il y avait pas un truc. Ah, tu nettoyais. T'es viré de ma fête, casse-toi. Non, vire pas, c'est juste pour voir s'il a. Ok, t'es viré de ma fête, casse-toi. Non, vire pas ça. Monsieur, vous êtes viré de ma fête, partez. Non, viens quoi, partez, je le dirai pas deux fois. Attends, Deadpool, c'est un ami à moi, je l'ai plus vu depuis longtemps. Mais hein, je vais m'énerver. Ok, attends, non, tu sais quoi, je te fais ça. Ouais, c'était pour te calmer. En plus, t'as une Scar, elle est nulle. Ouais, je m'en fous. Bon, sinon, on veut te voir jouer du piano. Ouais, bah, pas de problème. Ouais, mais fais-le parce que là, je dois aller dans mon repère bientôt. Ouais, c'est qui a tiré? Venez tous, je vais faire du piano. Hey, Carburo, viens voir. On va voir comment il va jouer du piano. Faites pas de son slip, hein, c'est rien, c'est juste une décoration. Je reviens. Attendez, faut que je m'échauffe. Attends. Partez, monsieur. Je suis content de te revoir. Attendez. Hein, dans le liot. Voilà. Attendez, j'ai une question. En fait, comment ça se fait que tu avais invité Carburo? Bah je sais pas, bah je t'ai croisé dans la rue, je lui ai donné une invitation. Tu l'as croisé dans la rue? Tu l'as croisé dans quelle rue? Bon vas-y. Je vais aller voir dans sa ville. Ah salut. Du coup, juste pour te dire, Omega est toujours en... Préparez-vous, je vais faire un moulaga de Huston enfoiré. Un moulaga, sérieux? C'est vous dit qu'à prendre à cette sprint. Maxence, arrête! Attendez, il commence. Dépôt, il va commencer à chanter. Préparez-vous! Ouais, c'est bon, on se prépare. Préparez-vous, j'ai dit! Oui! Préparez-vous! Waouh! Il joue très bien le piano, Deadpool, hein? Ouais! Ça, je l'ai pas remarqué. Une fois dans un épisode de Spider-Man, j'avais vu que quand j'étais gamin, il y avait Deadpool dans un épisode de Spider-Man. Genre, il faisait trop bien. Hein. Waouh! Comment il fait ça? Oh, c'est la magie ça! Waouh!
Exécuteur, je t'ai jamais demandé, mais est-ce que tu t'es au moins déjà servi ton bouclier? Ouais, enfin juste une fois, mais après je l'ai plus servi. C'est juste une décoration. Non, c'est pas une décoration, c'est pour me protéger. Enfin, une fois, je me suis enservi contre le booster, mais à la fin, il allait détruire mon bouclier, je me suis débarrassé du booster, mais maintenant, il est tout en vie, enfin bref. Il est coriace, le booster. Ouais, bon, bref. Du coup, je préfère utiliser mon bouclier quand ce sera le bon moment. Bah, l'imazou, là, j'ai fumé. Quand c'est un objet super méga puissant, comme par exemple le voyageur éternel ou des miroirs. Putain, c'est pour le Deadpool. Deadpool ? Deadpool ! Ouais. Deadpool, je peux te dire un truc. Excusez-moi de t'interrompre votre truc, mais je dois faire un truc. Je vais aller, je sors du yacht, juste un truc. HRP, je vais manger. Je suis désolé, mais je dois y aller malheureusement. Mais attends, c'est presque fini. Hein? C'est presque fini. Ah, fais vite alors. Voilà, c'est fini. Sinon, je peux prendre ton hélicoptère. Non, je joue bien du piano. Ouais, tu joues très bien, franchement. Est-ce que je peux prendre ton hélicoptère? Attends, si tu veux, je peux venir avec toi. T'as un bureau? Ok. Mais par contre, je te dis directement, il y a mon garde du corps. C'est quoi, ça? Ok, c'est bien. C'est ce que j'ai fait, t'as vu, c'est ce que j'ai fait? Ouais. Hé, hey, Carburo, ça te dit venir avec moi dans le repère? Non, il vient pas avec nous. Méchant. Non, il est parti. Bah, on se revoit une autre fois, Kerbero. Bah, passe une bonne journée. Sinon, exécuteur, j'ai croisé quelqu'un un jour dans la rue, il m'a dit, ça s'appelle Nomad. C'est qui? Laissez-moi conduire, s'il vous plaît, garde. Attends, je crois que c'est une blague. Attendez-moi. Non, c'est pas une blague, il avait un masque, voilà. On dirait qu'il se protégeait du Covid-19. Je ne parle pas de ça. Bon, allez, on reviendra dans mon lieu tout à l'heure. Et moi? Fais ta gueule, dis-moi. Je commence à tirer. Bon, le repère, c'est dans cette direction. Vers Wayne. Attends, si tu veux, je peux te ramener à un endroit que j'ai visité, ça s'appelle la plateforme. Tu connais TMC? Ouais, je connais pas trop. Non, je connais pas. En face, c'est Borderlands, ça me fera rappeler Tentina. Écoute, tu sais que Borderlands existe dans la vraie vie? Ça existait avant. Maintenant, ça existe plus parce que la paille s'est refermée. Du coup, voilà. Mais j'ai entendu parler qu'il y avait un personnage de Borderlands qui s'est échappé du bout de Borderlands pour venir dans la vraie vie. Et c'est quel perso? Je sais pas, je crois que c'était Tentina. Non, il est terrible, elle. Je crois que c'était... Non, je pense pas que c'est elle. Si, elle est... En fait, elle, c'était une personne du Borderlands, elle est venue, mais il y avait une autre personne. Je crois que c'est quelqu'un, le personnage du Borderlands, là, qu'on voit à chaque fois sur les affiches où il faut acheter. Ouais, du coup... Wow! Non, t'en fais pas, il a un parachute. Oh, ici, il a un parachute. Ouais. Du coup, bon... Bon, bah, écoute, je suis vraiment obligé d'aller dans le repère. Bon, tu dois juste continuer un petit peu... Ouais, tu dois juste aller un peu plus droit. Oh, regarde, il y a l'agence, on va y aller. Non, papa. J'ai pas le temps, je dois vraiment y aller. Je dois vraiment y aller. Ok, si t'insistes. Oui. Bah, c'est dur pour aller à l'agence une autre fois, genre. Ouais, mais là-bas, il y a un mec qui s'appelle Midas et je lui mets des coups de poing dans sa bouche, il m'énerve. Le mec, je l'ai frappé avec mon katana. Alors, ça veut dire que c'est un vieux choc. Non, c'est juste qu'il parle d'une langue, je sais pas quoi. Mais... Voilà. Et aussi ses soldats. Il y a un de ses soldats qui est venu, j'ai planté mon épée dans son corps, il est mort. Ok, tout. Bon. J'ai planté un petit peu, il